Welcome les balais, ouilleurs et les balais, ouilleuses. Tout d'abord, vous constatez que la qualité est moins bonne, ça a changé. C'est normal, j'ai un problème avec ma caméra principale, je ne peux plus l'utiliser. Donc j'utilise une autre caméra de secours, la qualité est moins bonne. Désolé, j'ai que ça, j'ai pas mieux, on fera avec. Il faudrait que j'achète une autre caméra, mais on verra plus tard. Pour l'instant, désolé, j'ai que ça. Voilà. Donc j'ai réfléchi à comment Ant-Man peut battre Hulk. J'ai réfléchi parce que je suis avant tout un scientifique, ou pas. Voilà. Imaginez un affrontement, une baston épique. Ant-Man vs Hulk. Comment Ant-Man pourrait tuer Hulk? Moi j'ai trouvé une solution. Ant-Man se miniaturise. Il passe de taille humaine, taille normale, à miniature, enfin il rétrécit jusqu'à être minuscule. Il peut rentrer dans le corps de Hulk par l'anus, hein, par le trou de balle, et il grandit. Il reprend sa forme initiale et pouf, Hulk implose. Il implose, il explose de l'intérieur. Poc, et il est mort. Il peut même rentrer par les oreilles ou par les narines pour atteindre la tête de Hulk, Ant-Man, et il grandit. Et pareil, poc, la tête de Hulk explose. Implosion. Et puis Hulk est mort pour cause de décès, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est la seule solution que je vois. J'avoue que pour ça, je me suis inspiré de la scène de Avengers Endgame. Enfin, on va dire le milieu du film. Quand ils sont dans le passé en 2012, à l'époque de Avengers 1, quand Ant-Man se miniaturise et rentre dans le corps de Tony Stark pour déconnecter ou débrancher son réacteur arc à Stark. J'avoue que je me suis inspiré de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois que ça comme solution pour que Ant-Man batte Hulk. Je vois que ça. Qu'en pensez-vous? Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa. Voilà. Encore une fois, désolé, j'ai pas mieux comme qualité. On va continuer comme ça pour l'instant. Je peux pas faire autrement. Voilà. Et à bientôt.